Allez, on a repris la diffusion. Je vais juste reprendre comme ça. Au moins, on aura le chiot en entier. Débité ou d'Abayé. La femme donc d'Abayé avait là Aï, Barta, la big fille, ou Amar, l'écrivaille. Lui, il disait qu'elle voulait que cette fille devait se marier avec un proche à Abayé, donc de sa famille à lui. Yamra l'écriva, et elle, disait non à moi. Amarla, titriana, tialer, que Mahana soit interdite à toi. Yavarta, dataï, si tu es ouvert sur mon daat, ou minsevat là, et que tu la maries avec l'écriva, avec un carreau à toi. Azad, avra, daté, bémet, elle a fait ce qu'elle voulait. Minseva l'écriva, atal, kamed, ravusef, amarle, il ou avait à date, yadata. Il demande à Abayé, si tu avais su au moment de ton éder, d'avarta, daater. Ou Mitsevala l'écriva, Miadarta, tu aurais fait ce neder, à savoir que maintenant, à cause du fait que cette femme-là, ta femme, elle était ouverte sur ton daat, toi, quand tu as fait ce neder, finalement, c'était parce que tu étais sûr qu'elle n'allait pas le faire. Amarlo, Vécharia, Rabbi Youssef. Le bébé, il a été matir grâce à ça. Machma, que c'est, pétard, c'est Witzter, elle disait, jamais j'aurais fait un neder pareil. Ou Michari, qui a également dit, comment tu peux être matir un neder pareil? Beatania, Masse, Badam, et Hachi, dirait Tishto, Minat, Blarégal. Donc, un homme qui a dit à sa femme, tu ne montes pas à Yerushalayim. D'Avral d'Ato, elle est quand même montée, Balta la Régale, ou Balifne Rabbi Yossi, et elle est allée chez Rabbi Yossi à Marlo. Et, il y a dit, et alors le monsieur, Rabbi Yossi a dit, Vilou Aïtaïodéa, Chauveret Adatra, Viola la Régale, Kloumi Darta, est-ce que tu aurais fait ce néder, sachant que ta femme n'avait pas respecté ta parole? À Marlo, Lo, il a dit non, Vitiro Rabbi Yossi. Ça veut dire que bébé, d'après le Rav des Rishonim, tu as raison, c'est quand j'ai dit quelque chose pour que ma parole soit respectée, je suis sûr qu'il va respecter ma parole. Donc on ne peut pas dire que je pourrais te m'attirer un néder quand j'ai comme il dit le Rajba, mais d'après le Rajba, Da'atiachit, lui, il dit que si j'ai bu du coca alors que j'avais fait une terre de pomme, plus boire de coca, il y a ça, misé de sa'ar. Lui, il demande si d'après j'étais ouvert, pourquoi si parce que j'ai pas de sa'ar, si je suis pas ouvert, c'est l'autre n'écrit de sa'ar. Mais j'ai un sa'ar. Et si, c'est quoi le cas, la baillée ça t'a mis avec sa femme. C'est quoi le sa'ar? Il n'a pas écouté. Alors, ça t'a mis de terre, mais à Trala. Oui. C'est-à-dire que tu regrettes d'avoir fait l'éder. Oui. Ça, c'est Harada. Il n'y a rien. Tu peux faire un pétard. Bah, harata, c'est harata. Il y a des gens qui ne sont pas mitraret. Anilo mitraret, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Je ne suis pas mitraret sur le fait que j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans. Je suis content, je suis fier de mes 10 ans de comment dire, de sevrage. De sevrage. Aujourd'hui, j'ai envie d'une cigarette. C'est plus un sevrage après 10 ans. J'ai envie aujourd'hui d'une cigarette. Tu peux te bâtir mon éder? Ça ne s'appelle pas harata. Tu as le mitraret. Tu comprends? On continue. Mishnah. Et là, il ne pourra pas dire, oh, mais je sais que je vais tomber. Vas-y, ça veut dire que tu sais que tu vas tomber. Non, le tsar, Adaïd. Et le tsar de Abayé, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas écouté? Ou c'est qui maintenant qui. Mais non, c'est maintenant, elle assure à lui. Voilà, elle assure à lui. C'est évidemment. Mishnah. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer. Elle est compliquée, cette Mishnah. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer. Af Arotzi l'a dit, donc, de quoi on parle depuis tout à l'heure? On parle de Nidré Zirouzi. On a dit Nidré Zirouzi, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire ça juste pour motiver, pour donner un petit peu de. Pour mettre la pression. Ça ne fait pas un éder. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, je vous dis directement le pshat de la Mishnah, il dit Afarotse la dire et travero, je suis au Khaletso. Quand je te fais un éder et je te dis allez, mange à la maison, mange à la maison, mange à la maison. Ça aussi, c'est pour te mettre la pression. Yomarlo, et donc apparemment, la Mishnah, elle parle, c'est la suite. Donc vous allez voir que c'est un autre cas. Yomarlo, qu'est-ce qu'il dit? Kol neder shani atid lidor ou batel. Quelqu'un qui veut obliger, donc le pshat pashut de la Mishnah, quelqu'un qui veut obliger son copain à manger à la maison, il dit, c'est quoi, tous les nédarim que je veux faire, ils valent rien. Maintenant, je fais le néder que si tu n'as pas mangé à la maison, c'est pas mieux. C'est marocain. Oui, mais il vient de dire qu'il avait été mes bâtels sans néder. Mais il dit pas lui. Yomarlo, on lit la Mishnah telle qu'elle est, et après on va l'expliquer. C'est le boulot de la Gemara de l'expliquer. Yomarlo, kol néder shani atidido, tout néder que je vais prononcer, ou batel. Ou bilval chie zachour bechataneder. Il faut qu'il se rappelle de son tnaï, de son bitoul bechataneder. Ok. Donc, ça, c'est le pshat de la Mishnah. Apparemment, quelqu'un qui veut faire un éder pour son copain l'obliger à venir manger à sa table, il fait un tnaï avant que tous les éderim qu'il va faire seront batel ou mevutalim. Il fait son éder juste pour mettre la pression. C'est trop rare dans la Mishnah, c'est pas besoin de faire un tnaï. Mais c'est mal. Ouais. Des érosies, on n'a pas besoin de faire un tnaï. Ouais. Non, c'est moi qui t'ai rajouté que c'était nidré érosie. Ouais, ce qu'on a vu avant, d'après la Gemara, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, on a l'impression qu'il vient te dire que quelqu'un qui veut faire un éder, mais il ne veut pas que son éder soit khal, alors il fait faire un tnaï. Okay. C'est le pshat pashut de la Gemara. De la Mishnah. C'est pas l'autre. Oh, la Gemara dit non, c'est pas vrai. Et Kevan de Amar, Kol Neder, Shaniati, Didor, Yebatel, Lo Shamale, Velo Atebade. Alors, ici, tu dis à ton copain, tu sais quoi, tous les éderim que je vais prononcer, sache qu'ils ne sont pas khal. Et après, tu fais un éder. Pourquoi tu veux qu'il t'écoute, le type? Oui, tu rigoles.
Aran. C'est chez la Taran. Alors, si vous voulez bien, c'est ça, le... si vous voulez, on regarde Aran, troisième ligne avant la fin. Obedinu. Regardez ce qu'a dit l'Aran. Troisième ligne avant la fin. Obedinu d'Ave Matzki Shnuye Damar Madir Bechashai Kedesh Yishma Mudar. Comme il dit, notre ami Yossi. Il aurait pu le dire, tu sais quoi, je dis à ma femme, sache que les nédarim que je vais faire aujourd'hui ne sont pas bons. Sans lui avoir dit avant, juste pour et l'autre. Et devant l'autre, je sens le grand jeu. Je joue le cinéma. Non, pourquoi il ne répond pas ça? D'accord, mais la Gemara. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué qu'il a dit Bechashai. Mais la Gemara, elle aurait pu répondre ça. Pourquoi elle ne répond pas ça? Et là, Dea Kate, Lo Atialim Matnitin Shapir. Même si tu réponds ça, ta Mishnah, elle est cachée. Premier tirout. Et qui va avec Tane Af. Arotze. C'est quoi ce Af? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Af Arotze. C'est la suite. C'est la suite de la première Mishnah. Donc on parle de Nidre Zeruzin. On ne parle pas d'un Neder normal. On ne parle pas d'un Neder normal que tu stoppes à la base parce que tu as fait un Tnaï. On ne parle pas de ça. On parle d'une sorte de Neder qui n'est jamais Khal. Donc même si tu réponds qu'il a fait le Tnaï, etc., c'est quoi ce Af? Zeruzin. Mashma, Danami, Meshum Nidre Zeruzin, Moutar, Vela, Meshum Tnaï, Shitna. Arrête de la Mishnah qui te dit Af, ça n'a rien à voir avec un Tnaï. C'est parce que c'est Nidre Zeruzin. Dans l'idrée Zeruzin, ça n'a rien à voir avec un Tnaï. L'idrée Zeruzin, c'est quoi? C'est quand je suis l'acheteur et toi, tu es le vendeur. Moi, je ne t'achèterai pas à moins de ça. Toi, tu ne te vends pas à moins de ça. Sache que finalement, c'était juste pour négocier. C'est bluffé, c'est bluffé. On n'a pas fait Tnaï. Le Neda, il n'est pas râle. Ça s'appelle l'idrée Zeruzin. C'est le but de la vie. J'ai pas besoin de dire. Vimken, my af. C'est quoi ce af? Donc, même si tu réponds qu'il a fait un Tnaï Bechashai, je ne comprends pas le Af. Non, c'est pas le Véod, Véod, Loran, il répond deuxième tirout, Dehi, Dehi, Bechia, Igavna, Askinad. Si on parle qu'il a fait Bechashai, Ichitane, Obilvat, Chei, Zacho. Bon, tu peux me dire qu'il faut qu'il se rappelle. Pshita, Chou, Zacho, Chare, Bechatane, Der, Matine. C'est quoi, il se rappelle? Il va voir sa famille, il sache que le Neder que je vais faire dans 30 secondes pour Coco, là, qui vient de manger la maison, je veux m'en rappeler. Il faut que je m'en rappelle, mais je viens de le faire. On parle de la donc, apparemment, de cette couchée à la Dagmara, on voit qu'il y a un problème dans la Mishnah. Pourquoi? Il pose des questions. Il pose des questions là. Il a dit non. Pourquoi on n'a pas répondu qu'il a fait le Tnaï Bechashai. Il pose la question, mais il ne répond pas. Il a donné deux réponses. Hein, il a donné deux réponses. Première réponse. Parce que si tu réponds comme ça, il y a un problème avec Af. Mais si toi, tu arrives, t'es un peu avec Af. Non, t'as pas. Tu te dis quoi qu'il arrive, quoi que tu dises. Alors, donc ça sert à rien de répondre. Donc ça sert à rien de répondre ça, tu auras une autre question. Moi je te réponds à toutes les questions en même temps. Ok, mais alors, mais là, avec Mara, pourquoi elle a mis l'appareil? C'est quoi ça? C'est bizarre, la direct, dit qu'il pose des directement avec Mara, pose la question. C'est quoi ça? C'est une bien meilleure question. Mais parce que si répète l'agma, est-ce que vous. Pas du tout, tout le monde a posé la question de l'agma, tu racontes. Tu n'as pas posé la question de l'AF, toi. Tu m'as dit, mais pourquoi il n'a pas dit Bechashai? Toi-même, tu as posé la question de l'agma. Tu as entendu ce que j'ai dit? Tu entends ce que j'ai dit? Toi, tu dis la question la plus psouta, c'est demander sur Af. La question qui a été posée autour de la table, c'est pas Af. C'est personne ne m'a posé la question d'Af. C'est quoi la question? Pourquoi il n'a pas dit Bechashai? Mais est-ce que tu as promis Bechashai? Bechashai, c'est après que l'Agmara dit le Kevan Dama. Moi, je demande avant le Kevan Dama. Ok, Kevan Dama, là, on demande le Chashai. Mais après, le Ram Bechashai, t'as après avec le Af. Alors, l'Agmara, elle a qu'à demander. C'est quoi ce Af, Mekouda? Mais c'est-à-dire, l'Agmara, Tzma, elle est compliquée. Tu m'as parlé pour non, mais quand tu vas avoir la réponse, pourquoi elle a une réponse? Parce que c'est l'objet pas celui de la Mishnah. Mais non. Mais comment ça, non? C'est pas marqué. C'est pas marqué l'inverse. C'est pas marqué rien du tout. C'est pas marqué qu'il a fait Bechashai. C'est pas marqué qu'il a marqué. Toi, tu poses une question, pourquoi c'est pas marqué? Mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué. Moi, je crois que Ben Bechashai, Ben Lo Bechashai. Allez, le Tosfot, il répond, il y a marqué Yomarlo. Très bien, ça, c'est le tirouz de Tosfot. Donc, tu vois bien que de la Mishnah, Mashma qu'il a dit devant lui. Ok. C'est quoi le pshat alors de la Mishnah? On a un problème. Chassoui Mirsela Vartane. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. En fait, il faut la couper en deux. Première baba de la Mishnah, Achitane, Arotse, Shiochal, Etzlo, Chavero. Quelqu'un qui veut que son ami vienne manger à la maison, vienne manger la tarfou, la Kreila. Hein? Ou Messarevbo, il lui dit allez, viens manger, viens prendre l'apéritif à la maison. Ou Madiro, Nidre, Zirouzin. Et il lui fait un éder, sache que c'est une Nidre Zeruzin, c'est pas un vrai éder. C'est-à-dire que s'il lui dit, allez, tu sais quoi, tu viens pas prendre l'apéritif à la maison, ma parole, je mange plus chez toi. C'est pas un éder, c'est juste pour mettre la pression. C'est pour ça que maintenant on comprend pourquoi il y a marqué AF. C'est la suite de la première Mishnah. C'est là, mais on le sait déjà. Quand ça. Tu dis que c'est pas un éder, qu'est-ce que tu me rajoutes? Pourquoi tu poses une question? Il y a un pétard qui va lui dire que tous les nédarim. Véarotse, c'est la deuxième baba de la Mishnah. C'est autre chose, ça. Maintenant, quand toi. Tu sais que tu as tendance à faire des nédarim. Mais tu peux faire un tnaï à l'avance,
que tous tes nédarim que tu vas prononcer sont nuls et non nuls. C'est ce qu'on fait. Ayom, kol nédarim. Le af, alors si tu dis que c'est af, tu m'as rien rajouté. Non, mais attends, on a déjà parlé de ce micré. Bah putain, j'aurais pu croire que ça, c'est seulement dans mes cars. Même car que Nidri Zirouzine. Moi, je t'ai voulu te mettre la pression parce que je veux l'acheter, ta machine à laver. Toi, tu me vends la machine à laver. Moi, je veux l'acheter, la machine à laver. Je fais un éder pour te faire descendre le prix. Mais là, le type, il fait un éder pour que l'autre, il vienne manger à la maison. Ma pitom, tu dis que c'est pas un éder. C'est un éder. Rabbi Eliezer vient à toi, il dit non, ça aussi, c'est Nidri Zirouzine. C'est un grand ridouche. Ok. Deuxième baba de la Mishnah. Verrote, Shiloit Kaimou Nedara. Quelqu'un qui veut que ses nedarim ne soient pas Kayamim. Kolashana, toute l'année. Il y a un mode de Rosh Hashanah, il se met à Rosh Hashanah, nous on le fait à Yom Kippour. Veyomar, Veyomar, Ter, Shani, Atid, Dor, Yébatel. Tous les Nédarim que je vais faire, ils seront Batel. Ou Bilvad, Shie, Zachou, Beshat, Aneder. Et seulement, il faut qu'il s'en rappelle au moment du Neder qu'il avait fait un Tnaï. Ok, c'est là, bien. Deux secondes. Razak, voilà quelqu'un qui réfléchit. Elle m'a dit, Zachou. S'il se rappelle de son tnaï et qu'il fait un éder, que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai envoyé valser mon tnaï. J'étais au cœur le tnaï. Arrête-toi, tu fais un tnaï. Tu dis tous les nédarim. Après, tu vas pas passer en face. Donc, c'est pas Zahou, c'est chez Eno, Zohar. Donc, il dit Zahou, a créé les tnaï, mais qu'il y avait les nédarim. Si Bémet, il se rappelle et que malgré ça, il fait un éder, ça veut dire qu'il ne veut plus de son tnaï. Donc, le néder, il devrait être râle. Donc, ça devrait être l'inverse. C'est un peu l'après qui le fait. Non, donc il a oublié à ce moment-là. Au moment où il l'a fait. Attends. Qu'est-ce que je m'en fous que tu t'en rappelles après? À quoi c'est ça? Amar Abaye. Abaye vient, il donne un tirout. On va voir que Bémet va y marquer entre Abaye et Rava. Amar Abaye, Tadé ou Bilvat, Chelo et Zahou. C'est pas chez Zahou, chez Lo et Zahou. Il ne faut pas qu'il s'en rappelle. Tu as fait un Tnaï à Roshana. En qui se lève, tu fais un Neder. Sans te rappeler de ton Tnaï de Roshana, le Neder est pas halal. Parce que tu ne te rappelais pas du don Tnaï. Mais si Bémet, tu t'en rappelles que tu as quand même fait un éder. Là, c'est toujours le frère. Donc, ou Bilvat, Shelo, Yezahou, Beshat, un éder. Ok. Comme ça, il répond à Baye. Rava, il a du mal. Il n'a pas du mal avec le Tirout. Il a du mal avec le fait qu'il ait changé la Girsa. Donc, Rava, il veut faire. Il veut mettre Meyachev la Girsa de la Mishnah en gardant le Pshat de Abaye. C'est pas un éder. D'annuler un tnaï, pas un éder. J'annule pas un tnaï. J'annule un tnaï. J'annule tous les éders que je fais dans le futur. Je fais un tnaï. Tous les éders que je ferai, ils sont nuls et non annulés. C'est pas un éder. Non, c'est un tnaï. Je fais le néder d'annuler. C'est pas un éder. Tu n'as pas le néder d'annuler. Tu as annulé. Dès que j'aurai un truc comme ça, c'est possible que tu fasses un éder. Si tu fais un éder dans 3 mois, tu as oublié. Là, comme un shtarmoda. Shtarmoda, c'est quoi? C'est que je suis maudia. Que la voiture que je vends à Yaakov, ben je ne lui vends pas. Sachez que je ne la vends pas. Je la vends parce que Yaakov, il me prend en otage, il m'oblige à lui vendre la voiture. Je ne veux pas lui vendre la voiture. Donc, je suis Moser, je suis Tarmoda à deux édimes, que la voiture que j'ai vendue à Yaakov, elle n'est pas Yaakov. Et je la récupère. Ça ne s'appelle pas que j'ai fait un Neder, j'ai fait un Tnaï que la Mechila n'est pas Khal. J'ai fait un Tnaï que le Neder n'est pas Khal. Alors, Rava, il vient et dit Amar, Léolam, Kidamrinan, Mikara, Bémet, Katouf Zahou. Ou Bivat Chiesa, ou ça Chisco, il faut qu'il se rappelle. Achabe Maskinan, qui gonche itna beroshana, velo yada be maitna. Il se rappelle, mais il ne se rappelle plus ce qu'il a dit. C'est-à-dire que je me rappelle que j'ai fait un tnaï à Roshana d'être mevatel, de ne pas faire prendre au compte mes nedarim. Je ne me rappelle plus sur quoi. C'était sur le vin ou sur les gâteaux. Bah, j'ai deux, péchés mignons, le vin et les gâteaux. J'ai fait un tnaï à Rosh Hashanah, je ne me rappelais plus sur quoi. Donc je me rappelle de mon tnaï, mais je ne me rappelais plus sur quoi. Donc j'ai gagné que je n'ai pas été au cœur de mon tnaï, parce que je ne me rappelle plus sur quoi, mais je me rappelle de mon tnaï. Et donc j'ai été mis à chef la grâce à la Mishnah. Oui, non, mais là, il a précisé. Deux secondes, les amis, vous allez trop loin. Là, on est en train de parler des darim à Tidim. Futur. Et maintenant, il fait un neder. S'il se rappelle au moment du neder, il dit, je me rappelle que j'ai fait un tnaï, je ne me rappelle plus de quoi. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il fait ce neder. Alda a plus tnaï. Donc, ce ne sera pas ra le neder. Son neder, il n'a pas de machut.
Le Hamar al Da'at Harishona, s'il n'a pas dit je suis Noder al Da'at Harishona, c'est-à-dire que je suis Oker Montenay, et donc Noder Yerchan. Donc, le Hamar al Da'at Harishona, ni Noder, a créé les Tnaï, et qui aime les Indare, et son Tnaï, il est Kaya. Je n'ai pas compris, s'il ne se rappelle pas, t'as dit, et il dit, je fais quand même le Noder. Je me rappelle que j'ai fait un Tnaï, je ne me rappelle plus sur quoi. Et maintenant, je fais comme le Neder. Je fais le Neder à Da'at Harishona, selon mon premier Tnaï. Donc, le Tnaï, si Bémet, tu avais fait un Tnaï sur le vin et tu as fait un Neder sur le vin, je ne pas. Tu n'as rien à tout, c'est comme tout à l'heure, la question que tu lui as posée. Si tu fais ça, tu offres un four, tu offres ton Tnaï, tu dis maintenant, je fais quand même bien. Je m'en fous, je fais quand même le Neder. Non, pourquoi tu dis ça? Tu me dis, je le fais à Da'at du Tnaï que j'ai fait à Rosh Hashanah. Oui. Ne le fais pas, c'est toi, tu n'as rien. Si tu te rappelles, en fait, tu te fais à Da'at. Je me rappelle ce que j'ai fait. Non, mais tu me dis, je le fais à Da'at. Mais je me rappelle plus ce que j'ai fait. Ah, et si, j'ai fait un Tnaï sur le vin, et là, maintenant, je fais un Tnaï, un Eder sur les gâteaux. Il est khal. À quoi je veux savoir, alors, à ça? Ah, je vais demander à des gens qui étaient présents. Pour l'instant, j'ai fait le Eder. D'accord, mais à Rosh Hashanah, on parle d'un Eder pressé ou on parle de généralité? Dans l'Agma? Dans la Mishnah, on dit à Kol Neder. On ne parle pas précisément. Non, il n'y a pas marqué Kol Neder dans la Mishnah. Kol Neder, il y a un mot dans la Mishnah. Il y a marqué à Rotsé, il y a marqué Yomar lo Kol Neder. Shani Adi Lidor. Maintenant, Kol Neder, ça ne veut pas dire que j'ai dit Kol Neder. J'ai dit le Neder que je ferai prochainement et d'après Rava, précisément sur le vin, il sera pas khal. Kol Neder Aliyahin. S'il a fait, il sera plus sur le vin ou sur le gâteau, d'accord? Et maintenant, il dit je fais Da'at Harishona. Et il fait sur les gâteaux et il s'était permis sur les gâteaux. Alors là, le Neder, il est pas khal. Pourquoi il est pas khal? Au contraire. Mais non, parce qu'il a dit je fais seulement mon premier Da'at. Je me rappelais au moment de mon Neder, je me rappelais pas que j'avais fait un Tnaï que mon Neder ne soit pas khal sur les gâteaux. Et tant que j'avais fait un Tnaï et que je suis d'accord avec mon Tnaï, j'ai dit à le Da'at Harishona, donc mon Neder, il est pas khal. On comprend pas pourquoi il fait ce Neder, pourquoi il le fait. C'est parce que j'ai envie de faire un Neder. Mais tu fais un Neder et tu me dis à le Da'at que. Je suis énervé à part ça. Si c'est le vin, c'est le vin. Parce que je suis énervé. Je suis énervé, j'ai envie de faire un Neder. J'ai le droit, mais j'en suis énervé. Mais je me rappelle plus si je me rappelle. Je suis énervé. Mais je ne me rappelle plus si j'ai fait un Tnaï. Là, c'est rare. Oui, mais c'est-à-dire. C'est un peu trop léger dans le sens. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Non, il te l'a mis quelqu'un. Pour l'instant, il fait le Neder. Il se renseignera. Je ne me rappelle plus dans quoi. Il n'y a plus d'importance, en fait. Plus d'importance, c'est ce que tu dis. Il y a une semaine, ça a été recherché là. Maintenant, tu refais un Neder, tu dis, mais je ne me rappelle plus si c'est à Da'at. Je ne me rappelle plus si c'est à Da'at. Mais je le fais quand même. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire un Neder. Alors, Bémet, c'est un Ifshak Vachoukhan Aruch, on ne peut pas être sommaire sur le Kol Nidre. Avant de rentrer dans le Shoukhan Aruch, il faut savoir qu'il y a une marque noire dans la réunion entre Rabbi Noutam et le Roche. D'après Rabbi Noutam, Kol Nidre, Zélatid, Bilvad. Oui, mais à Rosh Hashanah, on fait pour le passé. Kol Nidre, Zélatid, ce n'est pas aller à Ava. Ça ne marche pas. Ça, on ne peut pas faire une moda sur tous les derrimes que tu as fait cette année qui soient nuls et non nuls. Ça ne marche pas. Rabbi Noutam, de la Gemara est marqué chez Atid, il dort. Chez Ania, Atid, il dort. C'est comme ça. Rabbi Noutam, il est Gores dans le Chumash, dans le Marzor de Rabbi Noutam, il avait marqué Kol Nidre que je ferai cette année-là. D'accord ? Miyom Kippourim Zé, Adiyom Kippourim Baal. Il n'y a plus une guerre. Toute l'année, tout ce que je vais faire, c'est rien du tout. Le Shukran Aruch, il est possède qu'on n'est pas sommaire sur Kol Nidre, sauf si Bémet, par exemple, c'est marqué sur les mitzvot que je suis Noeg sans avoir dit Kol Nidre. Quelqu'un qui fait le Daf Yomi, la dernière fois on avait posé la question, quelqu'un qui fait le Daf Yomi, est-ce qu'il a pris sur le Nidre? On peut être sommaire pour ça sur Kol Nidre. Comme ça, il est marqué dans sur le reste, sur le reste on ne peut pas être sommaire sur Kol Nidre. D'après le Roche, Kol Nidre, c'est même les Miyom Kippourim Shavar et Yom Kippourim Tse. Les Maaser, on est. On fait, exactement. Mais on n'est pas sommaire d'aller sur un Roche. Donc, c'est un Roche, ouais, le Roche, oui. Non, mais on n'est pas sommaire les Khatrila, mais Bédiavad, si tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait un Neder. Tu as fait un Neder, tu ne t'es même pas rendu compte que tu as fait un Neder. Alors, souvent, ça nous arrive. Tu ne sais même pas que tu as fait un Neder. Ah, sur ça, qui nous. On ne peut pas être sommaire de dire je fais les Nederim, de toute façon, j'ai fait comme Nederim. Ça n'arrive. Ravuna, bar Chinena, savant les Midrashim et Pirka. Ravuna, fils de Chinena, il pensait faire une Dracha Barabim sur cette Mishnah-là. Et expliquer la Mishnah telle qu'on vient de l'expliquer. Parce que finalement, la Mishnah est compliquée. On ne la comprend pas. Amarli Rava, Tana, Kamastimla, Stoumé. Le Tana, il a fait en sorte que la Mishnah soit Stouma. Pour pas que les Amaratzot, ils la comprennent. Parce que si les Amaratzot, ils comprennent cette Mishnah, ils vont faire un Tanaï. Voilà. Et après, ils vont faire plein d'Edarim. Et toi, Kedichelui Nagou Kaloutroche. Pour pas que les gens ils soient Noé Kaloutroche sur les Edarim. Et toi, tu veux. Les Edarim. Ah, t'as resté à la Pirka et toi, tu fais une Dracha Barabim. Lo Lainan. Alors. D'après
cette Gemara, le Tosfot, il dit que c'est pour ça que Kol Nidre est en araméen. Pour pas qu'on comprenne. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, je me rappelle les Rishonim, qu'il faut comprendre Kol Nidre. De la manière qu'il faut comprendre Atarat Nedarim qu'on fait le matin, la veille de Rosh Hashanah, il faut le comprendre. Celui qui ne comprend pas est marqué, il faut qu'il dise en français. Il y a des Rishonim qui disent que Kol Nidre c'est un araméen pour pouvoir le comprendre. À four de ce qu'il dit. Ok, donc si c'est un qui peut le comprendre, c'est tout ce genre-là. Voilà. Celui qui ne comprend pas, il n'a pas de sensibilité. Et bien, il est où ? Pligé Rabbanan allait de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Est-ce que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi Eliezer ben Yaakov ? C'est-à-dire, quelqu'un qui fait un éder pour que son pote vienne manger à la maison, pour le forcer, est-ce qu'il appelle Nidre Zirouzin ou pas ? Est-ce que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi Eliezer ben Yaakov ? Rabbi Eliezer ben Yaakov dit oui. Est-ce que Rabbanan ils sont d'accord ou pas ? Et il dit seulement Pligé, si tu me dis qu'ils ne sont pas d'accord, ils disent que ça s'appelle un vrai néder, il reta kavate holo, la lachal comme Rabbi Eliezer ben Yaakov ou pas ? Et là, j'attendais que quelqu'un me pose la question. Souvent, c'est vous qui posez cette question. À la fakir on dit que Mishnah de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav, Benaki. Donc, c'est quoi la Shela Vedek? On est posé comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi je pose cette question? Alors, parce qu'il y a des Rishonim qui répondent. Soit, par exemple, dit qu'il y a des endroits où on n'est pas posé comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, malheureusement. Enfin, malgré le fait qu'on dit Kav Benaki. Mais le rare, il dit c'est quoi Kav Benaki? C'est seulement dans 102 endroits. Kav. Cave bête endroit, cave bête mécomote, on est posé comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais pas de partout. C'est ça, cave. Le Roche dit ainsi, Acham Istamer, dis-moi Acham Istamer, Tarma ou les Rabbanan. Ouais, parce que le Tam est comme Rabbanan. Non, ça veut dire que Bémen, il y a des endroits où on n'est pas posé comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Le Rach lui dit, cave et naki, c'est seulement dans 102 endroits. Est-ce que ça fait partie de ces 102-là? On y va. Tashma, Detlan, à Omer le Chavero. Quelqu'un qui dit à son ami, Konam, Shenin et Nilecha. Je fais le néder de ne plus être né de toi. C'est fini, je ne prends plus rien de toi. C'est rien. Iman, Iatan, Otel et Bilcha, si tu ne prends pas pour ton fils, Kourchel Chitin, là, 10 kilos de farine, Vejte Chaviot Chediai, et deux tonneaux de vin. En deux mots, les régions me disent que, étant donné que j'ai l'habitude de recevoir beaucoup de cadeaux de toi, alors je veux que tu prennes aussi. Je fais le néder que je ne prends plus rien de toi si tu ne prends pas maintenant du vin et de la farine pour ton fils. Arézé, Yachol et Atir et Nidro. Il peut très bien être matir le neder en disant quoi ? Chez l'ol pi chacham, sans aller chez le chacham, qu'est-ce qu'il va dire ? Chez Achol Omarlo, le copain, celui qui devait prendre le vin, il lui dit « Klouma Marta et l'abishil kvodi, tout ce que tu as fait, c'est pour m'honorer, Armand. Ah, zéo kvodi. Moi, je refuse. C'est ça mon kavod. Mon kavod, c'est de ne pas prendre des kavod. Mon kavod, c'est que tu prennes. Oh, alors Bémet Rabbi Meir, il dit, comme il dit Jacob, Rabbi Meir, il est cholek sur cette Mishnah, il dit que si le type, il est là, il dit, ok, si c'est ton kavod, c'est ton kavod. Alors, Rabbi Meir sera d'accord que le neder est pas hal. Mais si le type, il n'est pas là, ben d'après Rabbi Meir, le neder, il est hal, parce qu'il y a choliot que le type, il dira, mon kavod à moi, c'est ce que tu acceptes. Comme il dira, d'accord. C'est la marloga entre Chachamim et Rabbi Meir. Est-ce que Bestam, quand il n'est pas là, on va dire que son kavod, c'est qu'il accepte ou non? Et là, je c'est possible. En tout cas, la Gemara dit Madame Arzeu Kvodi. Tout ce qu'on dit que le Neder il est pas khal, c'est parce qu'il a dit ça, c'est mon kavod que tu acceptes. Zeu Kvodi, que c'est mon kavod de ne pas accepter les cadeaux. À la Vahri, Neder, mais sans ça, ben mettre un Neder. Donc ça ressemble un petit peu à quoi? C'est pas un Neder. Au type qui dit viens manger à la maison, sinon je fais un Neder. Réaccepte mon cadeau, sinon je fais un Neder. Donc on voit que si ça ne peut pas être Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, tu n'as pas besoin d'expliquer que ça, c'est mon kavod. Du moment où j'ai fait ça pour te mettre la pression d'accepter le cadeau, ce n'est pas un éder. Comme quand je te mets la pression pour manger à la maison. Donc, si ce n'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui est le Tana de cette Mishnah? C'est Rabbanan. Donc, tu vois, Rabbanan, ils sont tranquilles. Mané, il Rabbi Eliezer ben Yaakov, ni de l'Ezirouzine. Avec... Si c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, ni de l'Ezirouzine, donc tu n'as pas besoin de t'expliquer. Et là, Hashem Amina, il dit Rabbanan, allez. Là, on voit que Rabbanan, ils sont tranquilles. C'est grandi, l'eau. Léolam, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Bémet, on peut dire. Je vous dis, on peut dire, parce qu'on verra demain, que cette tria, c'est une tria Béalma, Bémet, ce n'est pas Rabbi Eliezer ben Yaakov. Mais on aurait pu croire que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, ou modé Rabbi Eliezer ben Yaakov, Béaï de Nadrabe. Il est d'accord là que oui, c'est un éder. Quand c'est pour venir manger à la maison, hein, ce n'est pas un éder. Pourquoi? Parce que c'est Matana Mouetet, ça s'appelle. Mais quand c'est Matana Chachouva, si je te donne une voiture, ça veut dire que toi, tu m'as donné quelque chose qui valait une voiture. Il y a autre chose qui rentre en jeu. Déamarlé, l'eau calba, je ne suis pas un chien.
Moi, je maintiens des métalines à Minard. Moi, je suis l'aîné de toi. Toi, tu m'as offert une voiture et maintenant, je veux te donner quelque chose qui a la valeur d'une voiture que tu ne veux pas. Vélo, mitanit minaï, et toi tu veux pas aider de moi. Donc même Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il pensera que s'il n'a pas dit Zéouk Vodi, alors ça sera Ouyan Eder. Pourquoi? Ça s'appelle pas Nidrizouin. Comme le cadeau il est tellement chachou, alors là, le donneur, celui qui donne le cadeau, il peut avoir cette réflexion en disant moi je ne suis pas un chien de dire je profite sans te donner. Donc, c'est pour ça que là, oui, même Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il y a Choliot, il peut être d'accord que ça sera Ouyan Eder et ce n'est pas Nidrizouin. Demain, on continue la suite. Ouais.